Aujourd'hui, il est très fréquent de gérer ses agendas en ligne. Les agendas papier ont tendance à disparaître. La suite Outlook qu'utilise l'université regroupe un calendrier ou un agenda qui permet bien sûr de gérer l'ensemble de vos rendez-vous sur votre suite Microsoft. Donc pour faire cela ou pour accéder en fait à votre calendrier, vous pouvez le faire directement depuis l'UNT en cliquant sur calendrier. On va tomber sur l'agenda. Ou bien, autre façon, vous pouvez, lorsque vous êtes sur votre messagerie universitaire, aller cliquer tout en haut dans le bouton de menu ici et basculer de courrier à calendrier. Vous tombez alors sur votre agenda électronique. On va basculer de semaine en semaine pour pouvoir explorer les différentes actions que vous avez à faire, que vous avez faites. On voit ici que j'ai importé mon calendrier ADE, c'est-à-dire que mon emploi du temps de cours a été automatiquement importé. J'y ai placé à côté mes rendez-vous. Si je souhaite placer un nouveau rendez-vous, il suffit simplement de cliquer sur l'objet, de mettre une thématique, d'ajouter le lieu, d'indiquer l'heure de début, l'heure de fin et d'enregistrer. Test. Ex. 10h à 11h. Enregistrer. Et mon agenda a été mis à jour sur l'ensemble de mes postes de travail si je l'utilise sur plusieurs ordinateurs, tablettes ou smartphones. Pour supprimer un rendez-vous, je le sélectionne, je clique sur supprime et il disparaît. On peut également partager un calendrier avec une autre personne ou avec un autre de mes comptes. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Partager. Vous pourrez alors taper l'adresse mail de la personne avec qui vous souhaitez partager votre calendrier et ainsi il verra vos moments de disponibilité ou d'indisponibilité. Il pourra aussi voir plus ou moins de choses en fonction des autorisations que vous allez fournir. Je le mets là, si je le partage avec moi-même. Voilà, là je peux partager avec moi-même soit tous les détails, ou alors juste mes disponibilités, des détails limités. On a plusieurs possibilités à vous de tester en fonction de ce que vous voulez partager concernant votre calendrier, c'est-à-dire connaître l'objet ou non.